Attends, Michel. Mais la fin de votre conférence, ça me faisait penser au peu de choses que je connais du bouddhisme et de ce que j'ai entendu dans certains cycles bouddhistes sur la méditation, se concentrer sur la respiration. Alors, je trouve ça étonnant que scientifiques et des bouddhistes arrivent au fond au même point, en tout cas. Oui, si on s'en tient à la science et pas du tout à la religion et pas du tout au bouddhisme, on se rend compte, et c'est vrai, c'est curieux, mais de se connecter à nos sens primaires va laisser cette rumination aller et nous libérer un peu de cette cage-là, de ces modèles mentaux qui font à leur tête finalement. Oui. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, Michel, de ça, de faire le lien avec le bouddhisme? Ben, je trouve ça intéressant. S'il y a une base scientifique au fond, c'est pas juste parce qu'il y a un sage qui s'est assis au pied d'un arbre. Oui. Mais je pense que la personne qui va pratiquer ça, qui va retrouver un peu cet état de plénitude, ne va pas s'afficher nécessairement avec des vêtements bouddhistes, ou ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui au coin de la rue. Le bouddhisme s'affiche par des vêtements, par des règles quand même plutôt strictes. Donc, si on se rejoint, tant mieux, mais ce n'est pas nécessaire d'être bouddhiste pour faire ça. Très intéressant comme approche. Je m'étais trompé. Je pensais que c'était une conférence sur le sens de la vie. Et je vois bien que c'est plutôt la vie des sens. Alors, la vie des sens. Donc, c'est juste un commentaire. Il n'y a pas rapport avec le sens de la vie. C'est Ouais. Pourquoi on dans pose le la position? fond comment être branché sur nos sens et de vivre l'instant présent. C'est ce que je comprends là, comme tel, et non pas une espèce d'analyse sur quel sens on peut donner à la vie. C'est C'est ça? merci pour c'est plus que ça, j'ose espérer. C'est pourquoi on se pose la question. C'est un effet secondaire des programmes prémoteurs, du fait qu'on planifie, on imagine l'environnement selon ce qu'on a eu besoin pour évoluer. Et c'est pour ça qu'on se pose la question. Donc, moi, à la base, c'est pourquoi on se peut la poser cette question-là, finalement. C'est la base. C'est secondaire à l'évolution, mais ce n'est pas nécessaire à l'évolution. C'est devenu secondaire parce qu'il y a des programmes prémoteurs qui sont devenus indépendants des sens, indépendants des moteurs, et c'est entre les deux. Et ça tourne et ça tourne. Et c'est pour ça qu'on peut se poser la question. Donc, moi, c'est vraiment pourquoi Excusez, on de peut se la quelle poser. question vous parlez? Le sens de la vie. Pourquoi Ah, on peut se la poser? pourquoi on peut se la poser? Oui, C'est une pourquoi on a question même importante. besoin? Oui, pourquoi on a même besoin de la poser? Parce qu'on ne ressent pas l'activité des interneurones qui génère ces pensées-là. Donc, ça tourne dans le vide et on peut se poser quel est le sens de la vie. Il n'y a pas de sens à la vie, il y a le sens qu'on lui donne. Mais c'est à la base, on est victime de ça, si vous comprenez. On est victime de ça. On sent le besoin de se la poser. Mais c'est comme si, excusez, là, c'est plus une conversation, là. Non, c'est juste. Mais c'est comme si vous ne donniez pas grande importance à l'action cognitive. C'est-à-dire, comment je dirais, toute cette activité mentale n'est pas que négative. Non, si elle était futile, j'aurais pas écrit le livre. Donc, OK, c'est grâce à cette OK, activité mentale-là que j'ai écrit OK, le livre. OK. OK. Oui, on peut se poser la question, absolument. Et oui, c'est noble de se la OK. poser. Oui. OK. Ça va. Merci. Merci. Ben, continuez, hein, il n'y a Bonjour. pas de problème. Merci, Monsieur Sauvé. Je me posais cette question. Si vous connaissez sûrement le romancier et philosophe François Cheng, qui fait une grande distinction entre l'intelligence et l'âme, non pas au sens d'une âme religieuse, mais anima, enfin ce qui est l'essence de l'homme. Ouais. Et
je pense à ceci, ou en fait, à l'état presque végétatif dans lequel se trouve mon père, qui était un homme, un médecin d'une grande intelligence, etc. Là, il n'en a plus, visiblement. Mais je me dis toujours, il doit lui rester une âme. Est-ce que je me trompe? Et c'est ce qui me motive à lui rendre visite, à lui toucher les mains, même s'il ne réagit pas nécessairement, il ne parle plus, il ne me reconnaît sûrement. Enfin, c'est difficile à dire, mais son état d'Alzheimer étant très, très avancé suite à des dommages cérébraux, d'accidents, etc., font en sorte que il n'est rien. Je ne peux pas dire il n'est rien, il est une personne qui vit. A-t-il une âme? Bien, c'est mes condoléances pour votre père, premièrement. A-t-il une âme? Moi, je dirais que oui, mais on peut la réduire au niveau physique, à de l'activité neuronale dans son cerveau. Donc, il y a sûrement de l'activité dans son cerveau et cet homme-là ressent probablement des choses qui sont peut-être pas en accord avec la réalité comme on la conçoit, mais il ressent sûrement des choses. Donc, à ce niveau-là, oui, je dirais qu'il a une âme, mais je ne fais pas la distinction entre l'âme et le physique. Ça peut se réduire, mais je ne veux pas désacraliser, jamais, comprenez-vous, quand je réduis la pensée, l'esprit à des interneurones. Au contraire, je veux respecter ce qui se passe. Donc, je ne sais pas à quel point votre père ressent des choses, mais j'ai la conviction qu'il a encore des émotions, qu'il a encore des souvenirs qui sont un peu mêlés, mais qu'il ressent votre présence et le fait d'y aller n'est pas futile du tout, du tout, du tout. Mais au niveau scientifique, vous sentez qu'il y a une distinction entre l'émotion qui peut ressentir, disons, la peur lorsqu'il est transféré d'un endroit à l'autre, et l'âme de l'homme. Non, je ne fais pas de distinction. Ah bon, d'accord. Je ne fais pas de distinction. L'âme, c'est ça inclut ce qui se passe dans le cerveau, ça inclut les émotions, ça inclut le cognitif, ça inclut aussi des croyances. Je ne fais pas de distinction à ce niveau-là, non. D'accord. Mais il y a un côté très humain qu'on peut avoir, même si on réduit au niveau physique, et la compassion que vous pouvez éprouver pour votre père, que moi, j'éprouve en ce moment, parce que ce que vous me dites, ça me rend triste. Donc, c'est ça. Mais, eh bien, merci. Alors, je vais être bref. Je suis meilleur pour composer que pour parler. Alors, je vais simplement lire mon petit commentaire. À la fin duquel il y a ma question. Alors, le sens de la vie, là, selon, il est en aval et nullement en amont. Et là, notre conférencier nous a parlé surtout en amont, là où les premières cellules ont commencé. Alors, le sens de la vie, il se trouve spontanément quand la maladie, surtout la dépression, ne vient pas rendre la vie insupportable. Je dis bien spontanément, par la plaisir. Oui, vivre. Simplement respirer est un plaisir. Oui. Alors, si on cherche ailleurs que dans le plaisir de vivre le sens de la vie, on se heurte à d'insurmontables apories, c'est-à-dire des impasses. En effet, il n'y a aucun sens à la vie donnée par la nature. Mm-hmm. Qu'on me dise que je viens de la première cellule il y a 3 milliards d'années qui a été frappée par la foudre et que ça a donné, avec les acides aminés, les êtres que nous sommes, ne donne aucun sens à ma vie. Une explication n'est pas un sens. Mm-hmm. Alors, la nature, elle se contente d'être ce qu'elle est. Oui. Elle ne donne aucun sens. Oui. Et la partie qui nous intéresse, nous, là, la biosphère, ne fait que se reproduire autant qu'elle peut. Oui. Oui, oui. Alors, où trouver donc le sens de la vie pour tout un chacun quand le sens de la vie nous échappe complètement? Oui. Quand on consulte la nature, qui n'en a aucun. Oui. Alors, dans le simple plaisir de vivre, donc en aval, à la toute fin, dans le simple plaisir de vivre qui se décline en tous les volets ou registres, tout personnel à chacun d'entre nous. Oui. On va parler des religions parce qu'elles sont brillantes et mauvaises. Les religions ont flairé le filon de donner un sens à la vie.
à ceux dont la vie était si malheureuse qu'elle n'en avait en effet aucun sens. Plus précisément, aucun goût à continuer à l'accepter. Elles ont eu la foi, le talent et la turpitude de dire que le sens de la vie, c'était elles. Bref, que Dieu, leur création ou leur Dieu donnait sens avec cette aberration que le sens de la vie d'un homme se trouvait hors de lui, pas en lui. Oui. Une métaphysique qui n'est pas dénuée d'intérêt, car il n'y a pas de sens de la vie donné à l'être humain à sa naissance. Mm-hmm. Sauf cette pulsion de vie, qui stricto sensu n'est pas un sens, mais un mouvement. Oui. Un mouvement n'est pas un sens. Mm-hmm. Alors, qui dit sens dit argument valable ou valide, ou assumé par la raison ou par la pensée. Mm-hmm. Sens n'est pas du tout, non, pas tout à fait non plus direction, mais s'en approche tout de même. Ainsi, les religions habiles, fixant un terme, donc une direction, le ciel, à cette direction, elle donnait un sens à la vie, même si elle le vidait de sa capacité à être définie par chacun d'entre nous, par nous-mêmes. Oui. J'achève là. Les athées ont fait contre-pile, disent à la suite de Nietzsche, que le sens de la vie doit être donné par chacun, par sa propre volonté. Puis là, ils plagiaient ou copiaient Schopenhauer. Là, et ils sont le monde comme volonté et représentation. En clair, le monde comme volonté et représentation, ça veut dire quoi? En plus clair, le sens de la vie provient de ma seule volonté à représenter le monde à ma façon toute personnelle. Oui. Et là, les critiques vont dire, ça, c'est une sous-catégorie du libéralisme. Là. Puis Donald Trump, avec ses cheveux dorés, là, il a exactement appliqué cette méthode. Puis comme c'est un imbécile, bien là, ça a donné un sens de vie imbécile, avec beaucoup de dorures, si vous connaissez, si vous avez déjà vu son intérieur de maison. Alors, c'est vrai, que cette définition-là, toute qui vient de grands philosophes, si chacun l'applique, on va aboutir à des petites trompes qui vont être d'une immense grossièreté, toute personnelle. Ils ont donné un sens à leur vie, toute personnelle, devenir puissant et célèbre. Mais, je termine là-dessus, qu'avons-nous d'autre ou de mieux que définir soi-même le sens de la vie? Il n'y a rien. L'évolution et le darwinisme, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, là, ne donnent aucun sens à la vie. Ils donnent une explication à son développement. Il n'y a pas de sens. Ni un sens à l'existence de la biosphère non plus. Oui. Ni un sens à la condition humaine. La condition humaine, là, c'est naître, vivre et mourir. Oui. Alors, y a-t-il un sens là-dessus? Il y en a qui ont dit non. Hein? L'absurde et tout. Et Camus dit ça, c'est une chose qui est vraiment intéressante. Oui. Je termine là-dessus. Le sens de la vie supprimé, pour la vie. Alors, ma question, je termine, c'est ça ma question. A-t-on besoin d'un sens de la vie quand on aime la vie? Non, on n'a pas besoin de sens. On n'a pas besoin. Et j'aimerais avoir votre nom, s'il vous plaît. Ah, mon nom est épouvantable. Jacques Légaré. Alors, monsieur épouvantable, Jacques... C'est un très beau nom, épouvantable, Jacques. Jacques, ça fait je donne avec cette conférence-là, c'est un contexte dans lequel on arrive à cette conclusion-là. Donc, je n'ai pas d'autre réponse que de dire que je suis d'accord avec vous. Avec Camus, avec tous les existentialistes, avec Jean-Paul Sartre, avec Simone de Beauvoir, je suis d'accord. Il n'y a pas de sens, sauf qu'on ne désacralise pas, on respecte la vie, on respecte les humains, bien entendu. Pour moi, c'est un début, c'est une raison de vivre, de comprendre, d'être curieux. Et l'ignorance, comme elle est bien représentée par Trump, c'est un danger. Derek Buck avait dit, si vous croyez que l'éducation, ça coûte cher, pensez à l'ignorance. Donc, tout à fait d'accord. Il faut éduquer les gens et je pense que l'éducation est primordiale. Et pas l'éducation nécessairement en salle, mais par des réflexions comme vous l'offrez, Jacques, ces réflexions-là. Donc, je termine. Madame Vézina a soulevé mon point sur l'âme. C'était ce que je voulais aborder, ça m'a étonné, mais M. Légaré m'amène dans une autre voie.
Le sens de la vie, c'est le bonheur. C'est le bonheur qu'on y met, qu'on y trouve. Le bonheur, c'est pas le but de la vie, c'est le moyen. C'est ça que Valérie, je crois, elle nous disait. Claudel. Claudel. Et pour moi, c'est ça le sens de la vie. Y mettre du bonheur. Oui. Voltaire. Oui. J'ai choisi d'être heureux parce que c'est meilleur pour la santé. Oui. Est-ce que je peux interjecter? Pardon? Est-ce que je peux vous parler? Oui, okay. Mais je n'entends pas vous très m'entendez? Bien toujours. OK. Alors. Oui, pas pas toujours parfait. Oui. Là. OK. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ça oui, va? Il y a oui, oui. OK. Alors, j'y vais. On n'a pas évolué pour être heureux. On a évolué pour détecter les menaces et pour se reproduire. Parce qu'on part pour survivre. Oui. Survivre, c'est tout. Et maintenant, ce qu'on fait avec ça dépend de nous. Maintenant, de savoir ça, je trouve qu'on en est plus riche. De ce qu'on fait avec ça, c'est personnel. Mais moi, je choisis de... Là, vous pouvez c'est un terme que Michel Virard m'a dit d'éviter et je ne vais pas l'éviter. Donc, il va y avoir peut-être plus de discussions. C'est qu'il peut y avoir du sacré dans notre vie. Il peut y avoir une approche spirituelle à la vie malgré le réductionnisme. C'est compatible. C'est purement compatible. Moi, ce que je donne, c'est du contexte. C'est tout. Pourquoi on se pose la question? Pourquoi on rumine? C'est tout. Mais d'être heureux, de choisir d'être heureux, moi aussi, je le choisis parce que c'est bien meilleur pour la santé et ça goûte bien meilleur. Et je le fais avec mes sens. J'ai vu une dame pendant la conférence, j'aimerais la féliciter, elle avait un verre de vin. Et là, je regrette de ne pas m'avoir procuré ce liquide. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir, François. Bonsoir. Bien, premièrement, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci de votre présentation. Puis aussi, je suis très d'accord avec les commentaires de M. Légaré, bien, ou sa question, puis ses explications. Puis avec ce que vous dites, qu'on peut trouver du sacré dans la vie, même si on peut avoir l'esprit scientifique. Puis bon, moi, la plupart sont plus âgés que moi ici, là, puis j'ai pas toutes fait les lectures de Camus, puis de Beauvoir, puis tout ça. Là, donc, j'ai pas nécessairement le même bagage que la moyenne ici, peut-être, mais je suis beaucoup influencé par Sam Harris, un Américain qui, je sais pas si vous connaissez ici, là, mais... Je le cite dans mon livre à plusieurs reprises. Ah oui? C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de méditation et qui était, mais qui est toujours athée, mais qui se retrouve à méditer énormément, à écrire des livres justement là-dessus. C'est ça. Puis dans son application Waking Up, c'est très différent des autres applications de méditation qui se veulent plus pour relaxer puis gérer leur stress. Puis c'est super, tant mieux. Mais lui, c'est vraiment une exploration de l'esprit humain. Oui. Puis, dans le fond, je pourrais dire que le sens de la vie par rapport à la méditation, puis nos sens, puis nos pensées, bien, c'est vraiment tout un seul tout, oui, qui est notre conscience. Puis, cette exploration-là avec Sam Harris, je trouve bien intéressant. Puis, ma question, peut-être parce que je voulais plus ou moins juste dire ça, mais ma question, ça serait... moi, une chose qui me passionne beaucoup, puis je ne sais pas pourquoi ça me passionne autant que ça, c'est l'aspect illusion du libre-arbitre. Oui. Puis là, lui, il en a parlé souvent, il a écrit un livre là-dessus que j'ai lu. Oui. Puis finalement, il a fait, dernièrement, il y a un podcast. Un podcast où est-ce que c'est lui-même qui parle pendant une heure et demie pour faire ses explications finales sur le libre-arbitre. Pendant une heure et demie, mais c'est tellement simple, il me semble, à comprendre en deux secondes si on s'observe comment se produisent nos processus de décision. Oui. Qu'on pense qu'on peut contrecarrer avec d'autres décisions qui sont juste d'autres décisions. Je me sens même chose. À l'aise avec ça. Oui, la même chose avec nos désirs et nos croyances. Ben, allez-y, dans le fond, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, Sam Harris a parlé du libre-arbitre, Daniel Wegener dans son livre de Illusion, de Self-Illusion aussi. Il y a Bruce Hood qui a écrit là-dessus. Mais grosso modo, on a des sens. Je sais pas, c'est marqué, ma connexion est instable, j'espère que vous m'entendez. On a les sens et on a les effecteurs. Entre les deux, on a les interneurones. C'est un programme prémoteur. Ça va, jusque-là, ça va. On a une image mentale qu'on construit de toutes pièces. Et le cerveau, si on l'enregistre,
pendant que quelqu'un fait une action. On enregistre l'activité électrique du cerveau. On va se rendre compte que l'activité motrice, donc le cortex qui est moteur, va s'activer avant le cortex préfrontal qui est la conscience. Je suis conscient d'avoir fait ce geste. Donc, l'illusion, finalement, que moi, je l'ai voulu, ce geste-là, hein, elle accompagne le geste, mais elle ne le produit pas. Elle l'accompagne. Et souvent, oui, commenter là-dessus. Elle est tardive. Elle est après ça. Oui, vas-y. Bien, ça, c'est intéressant. C'est vrai, les expériences qui montrent qu'on peut prédire avec l'imagerie. Oui. L'action avant même qu'on en prenne conscience de la décision. Oui. Mais au bout du compte, admettons qu'on pouvait montrer autre chose ou on n'était pas capable de faire ça, ça ne changerait rien parce que c'est encore plus simple de juste observer ses pensées. En fin de semaine, on était au parc avec ma famille pour fêter ma mère, puis pendant 2 heures, on s'obstinait là-dessus, moi et ma famille. Puis tout le monde me disait « Non, moi, je peux choisir de croire ce que je veux croire ou je peux changer mes désirs. » Là, j'avais peut-être trop bu de café, mais j'étais comme « Non, mais ça ne fait pas de sens. » Donne-moi un exemple de croyance que tu crois vraiment, là, que sans argument ou discussion avec d'autres personnes, tu peux décider de ne plus croire. Puis vraiment, tu ne la crois plus. Là. Ou même chose avec un désir, sans que ce soit juste un autre désir. Vraiment, tu décides. Là, je désire plus ça, moi, là, maintenant. Voilà, dis-moi si ça marche. Fait que de penser qu'on peut décider autrement que ce qu'on a vraiment décidé. Oui. Dans le futur, oui, on peut être influencé, mais dans le moment présent ou passé, c'est fait, puis ça s'est produit sans qu'on puisse le contrôler vraiment. On parle, je pense, votre nom encore, c'est? François. Oui, François. On parle d'une échelle de temps qui est dans les millisecondes, dans les 300 millisecondes ou dans les demi-secondes quand on enregistre dans le cerveau. Donc, c'est vraiment, vraiment une petite échelle de temps. Mais Daniel Wegener, dans Illusion of Conscious Self, il dit que ça nous donne l'opportunité d'être moral parce qu'on a été l'auteur de cet acte. D'avoir cette illusion qu'on a voulu, cet acte-là, nous donne l'opportunité d'être des êtres moraux parce que je suis auteur de cet acte que j'ai posé. Une belle illusion. C'est son argumentation. Oui, c'est une illusion qui est utile en société et que certaines personnes n'utilisent malheureusement pas comme les trompes de ce monde. Mais bon. C'est un terrain dangereux, là. Mais pourquoi? Oui. Toute la question de la déresponsabilité là, des personnes. Oui. Il faut faire très... En tout cas, je vous laisse, là, j'écoute. Non, allez-y. Non, mais c'est parce que quand... C'est comme si on disait que... Oui, toute la question du libre-arbitre, c'est quelque chose de très, 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 très complexe parce qu'on n'a pas de contrôle beaucoup sur plein de choses. Oui. Plein de facteurs liés à notre personnalité, notre histoire, tout ça. Mais jusqu'à un certain point, on prend des décisions quelque part parce qu'on prend des décisions. Alors, c'est juste ça, je voulais réagir à ça. C'est très dangereux de déresponsabiliser parce que beaucoup de gens se déresponsabilisent. Par exemple, je vais vous donner un exemple, je fais de la recherche en violence conjugale. Les hommes violents se déresponsabilisent. Hein. Ils ne prennent pas la responsabilité. Ils vont l'attribuer à la femme, ils vont l'attribuer à leur enfant. Bon. Alors, je m'arrête là. Si je peux intervenir, s'il vous plaît. Oui. François Dugas, il est possible qu'on fasse une conférence précisément sur le sujet du libre-arbitre, de la responsabilité. Et vous aurez l'occasion à ce moment-là d'entendre des opinions sur ce qu'on appelle les compatibilistes, c'est-à-dire ceux qui, et je vous assure qu'ils ont d'excellents arguments, parce que c'est un sujet qui a été étudié dans mon cercle de lecture depuis 20 ans. Et on a des philosophes, des psychologues dans mon cercle de lecture, et un de nos philosophes est arrivé à cette conclusion que, en fait, oui, le fait que le déterminisme soit vrai n'exclut pas la possibilité de la responsabilité et, en fait, du libre arbitre, mais c'est dans certaines conditions et ce n'est pas total. Intéressant.
Pour toi, François? Oui. Donc, c'est un livre parmi tant d'autres. Je vais lire ça. Oui, ben Daniel Wegener, mais il y en a d'autres. Sam Harris en parle beaucoup, mais il en parle d'une façon complexe. Une façon complexe? Oui, ben, pendant une heure et demie, c'est long. Oui, mais il se répète. Et peut-être juste pour parce que je comprends votre message, M. Virard, qu'on ne passera pas la soirée là-dessus, mais juste peut-être répondre à M. Potvin que effectivement, c'est pas une contradiction parce que c'est un petit peu comme à deux niveaux. Un peu comme parler de l'échelle de temps dans laquelle on se trouve, puis de parler de la relativité générale. C'est bon de considérer en général que le temps s'écoule pareil pour tout le monde, même si on sait que c'est pas vrai. Bien, c'est la même chose. On peut, à toute fin pratique, le pragmatisme, on peut dire les gens sont responsables de leurs actes, puis on va les emprisonner s'ils commettent des méfaits pour nous protéger ou inciter les autres à bien agir. Mais c'est juste fondamentalement, on ne va pas les détester. Puis on va plus facilement pardonner dans les grandes choses puis dans les petites du quotidien. C'était ça un petit peu l'idée que ça peut nous amener finalement. Question d'échelle, vraiment une question d'échelle. Non, mais moi, ce sera plus simple comme commentaire. c'est comment vous faites... Il y a vraiment dans ce que vous dites une espèce de dichotomie entre les sens et les pensées. Il y a comme deux... Et ça, effectivement, quand on fait des tentatives de méditation, c'est l'enjeu un peu. C'est comment laisser déposer tout ce qui circule dans notre tête pour être là dans le... Connecté sur les sens physiques. Connecté sur les sens. Et ça, c'est quelque chose, je trouve qu'on est dans une société extrêmement mentale. Oui. Extrêmement abstraite. Tout bouge, abstraite, les pensées, les informations qui arrivent de partout. Oui. Et c'est un exercice qui est difficile. Très difficile. Mais qui est réconfortant quand on tente de le faire, c'est de savoir qu'en même temps, ça remonte très loin dans le temps, cette démarche-là. Oui. De s'asseoir et d'arrêter tout ça Distraction. Voilà, c'est un bon exemple, oui. Et ça ne s'arrête pas, là, il y a le message. C'est un bel exercice. Excusez-moi. Non, mais l'humour peut aider beaucoup. Hein. Regardez votre sens de l'humour. Puis là, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis l'autre chose que je voulais dire par rapport... Non, mais ça n'arrêtera pas. Je vais me déplacer parce que... Oui, Christine. Alors, l'autre chose, on parlait du sens de la vie dans le sens de tout le monde veut être heureux. Oui. Mais les moments où ça se pose pour vrai, c'est quand il y a des choses qui s'effondrent. Quand l'équilibre, tout à coup, est rompu, puis là, on fait la somme des choses et on commence à dire, oui, mais c'est quoi le sens? Oui. Alors, quand on se pose ces questions-là, c'est peut-être plus de l'ordre de la pensée, en tout cas. Oui, oui. Mais c'est... C'est entre les sens et les effecteurs, c'est entre les deux, c'est justement ça. Là. C'est ce qui est libéré et qui nous emprisonne, comme je le disais dans la conférence. On peut ruminer sans arrêt. Et pour arrêter la rumination, on se connecte sur les sens physiques à la base. Donc, la respiration est un exemple parmi tant d'autres. On peut se connecter sur d'autres sens, le toucher, par exemple. On peut même déguster un très bon verre de vin, prendre le temps de le déguster. C'est déjà de se connecter sur un sens, n'est-ce pas? Oui. Alors, oui, c'est vrai. Mais ce qui est difficile à ce moment-là, vous parliez de quoi? D'empathie ou de compassion? De compassion. Alors, je trouve qu'en ce moment, on est mal pris quand même, parce qu'il y a des gens qui vivent dans de la destruction pratiquement permanente. Et là, je me dis comment leur psyché s'organise pour survivre, justement, pour trouver où est-il le sens. En fait,
Voilà, c'est un peu... Je comprends. Je comprends. Mais est-ce que pour vous, scientifique... Oui. Est-ce que pour vous, scientifique, il y a vraiment le sensible, les sens et les pensées? Est-ce que... Oh! Non. Il y a quelqu'un qui vous aime, là. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Quelqu'un qui vous aime trop, là. Oh, je crois pas, non. La question, cette fameuse dichotomie, est-ce que dans la pensée scientifique, effectivement, il y a le monde des sensations et des sens et le monde mental, le monde du raisonnement, de la rumination, vous parliez de rumination. C'est la même chose, c'est du réductionnisme, non du dualisme. Donc, on ne fait pas de distinction entre esprit et physique. Tout est réduit au niveau physique, mais ça ne désacralise pas du tout, du tout, au contraire. C'est une opportunité pour être curieux et... pour donner du sacré à notre vie. Ça, c'est un mot que j'utilise avec prudence. Mais non, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes connecté à vos sens, c'est que vous vous grandez, là. Mais vous utilisez les mêmes interneurones. Vous pouvez quand même utiliser tout votre cerveau. On n'utilise pas 2% de notre cerveau, on utilise 100% de notre cerveau, mais pas tous en même temps parce que ça demande trop d'énergie. Mm-hmm. Donc, on utilise tout notre cerveau et on le fait quand on est dans le silence, dans l'immobilité, on utilise tout notre cerveau aussi. Mais les ruminations sont acceptées, sont vues comme étant des... Et ça peut, avec la pratique, calmer un peu. Ça met en contexte que les pensées ne sont que des pensées. Elles ont leur propre vie. Oui. Merci. Ça vous satisfait, Christiane? Oui, mais ça me ramène à... Mais ça, c'est très proche, comme l'autre personne disait, des états de méditation qui permettent de distinguer un peu ma respiration de tout ce qui se passe. On n'a rien inventé, hein? Ça fait des milliers d'années que les gens méditent. Absolument. Oui, je vous remercie. Merci. Bonsoir, Lynn. Merci beaucoup pour votre présentation, mais moi, je vais peut-être un petit peu dévier. Le premier commentaire que j'ai écrit, c'est « Ben, voyons donc. » Puis... Moi, je pense que quand on commence, en tout cas, moi, je suis athée depuis longtemps, mais je suis née dans une famille croyante, puis j'ai eu à décider à un moment donné, on parlait de décision, mais c'est pas là-dessus que je veux en venir, j'ai eu à décider, à réfléchir, puis à finir par décider qu'il n'y avait pas de bon Dieu, ça n'avait pas de maudit bon sens, OK? Puis je pense que quand on s'en va sur ce côté-là, puis qu'on se met à parler de l'âme puis du sacré, pour moi, on s'avance vers une pleure de banane, puis c'est facile de s'auto-pleure de bananiser, un célèbre ex-premier ministre. C'est-à-dire que il y a des dangers qu'on verse dans quelque chose qui s'en va... À l'ésotérisme, OK? À la croyance, Tu sais, là, quand on pense au sens de la vie, là, OK, pour se remettre à zéro, là, on imagine notre petite boule dans l'immensité de l'univers. Oui. Puis là, on essaye de s'imaginer si l'univers a quelque chose à ressent quelque chose pour nous sur la Terre. Il n'y en a pas. On est des porteurs de gènes, Lynn. On porte des gènes. Si on existe, c'est parce qu'on porte des gènes, c'est tout. Exactement. Puis moi, je refuse de séparer mon cerveau de mes sens parce que, juste encore une fois, on s'en va vers la pleure de banane sur laquelle on va glisser. Oui. Tu sais, il existe la maladie mentale. Il y a eu Madame David tantôt qui parlait qu'il y a des gens qui vivent dans la... Mais il y a des gens qui vivent avec une
une mauvaise condition mentale. Oui. Donc, c'est ces gens. Tu sais, fait que ça relève beaucoup plus de la psychologie puis de la psychiatrie que de n'importe quoi d'autre. Je vous dirais même qu'il faut être extrêmement sain pour pouvoir arriver à se déconnecter. Fait que il y a ceux qui sont chanceux puis qui sont sains d'esprit qui vont arriver à se déconnecter de leur sens ou quoi. Ceci étant dit, les sens, c'est merveilleux. Moi, je marche 3 heures par jour, puis ces temps-ci, j'arrête à tous les coins de rue parce qu'il y a des lits là, puis je me rends le nez dans les lits là tellement que ça sent bon. Alors, vous aurez compris que j'aime ça, mes sens, on aime tout ça, nos sens. Mais, ce que je veux dire, c'est que... Mais qu'est-ce qui n'a pas de bon sens, Lina? Qu'est-ce qui n'a pas de bon sens? La vie, ça n'a pas de sens. Mais effectivement, ce qu'il faut faire, en tout cas pour moi, là, puis comme je disais, je veux pas. J'aime mes pensées, j'aime que mon cerveau m'aide à avancer dans la vie. J'ai fait face à un cancer, j'ai eu besoin de mon cerveau pour me ramener à la réalité, puis avancer là-dedans, puis pas me perdre dans l'anxiété. C'est pour ça, moi, je me dis, à minute qu'on parle de sacré, puis je comprends Michel Virard de vous avoir demandé de ne pas en parler. Non, exactement, quand on s'est pratiqué, on dit, là, il va y avoir des pures de bananes. La pure de banane est là, en plein devant nous. Alors, est-ce que je peux changer le mot, Lynn, pour respect, pour avoir du respect? Au lieu de... Écoutez, je travaille encore. Mes collègues de travail ne sont pas mes amis. Puis je vous dirais encore bien plus cette année en télétravail. Oui. Moi, je crie au respect. J'ai toujours respecté mes collègues de travail. Puis je les respecterai toujours. Respecter tout ce qui vit, là, nos petits animaux de compagnie, puis les autres. Tantôt, j'ai vu un pic-bois qui est arrivé près d'un arbre. Voyez-vous, ça sert à ça, la vie. Ça sert à voir des belles choses, à les apprécier. Oui. Mais l'utilisation du mot sacré, là, j'ai vraiment, vraiment pilé sur une pleure de banane avec vous, mais c'était pour parler de respect, de respecter les formes de vie. Mais Michel Virard a poussé ça à l'extrême. Parce que c'est un petit noro, un petit Moses. Il m'a dit, oui, mais si vous respectez toutes les sens, toutes les formes de vie, le coronavirus, vous n'allez pas vouloir le détruire. Mais ce que j'avais oublié, c'est que le coronavirus, il n'est pas vivant. C'est pas vivant, un virus. Mais on peut parler des infections, on utilise l'antibiotique. À un moment donné... On peut respecter un lion puis se faire manger pareil. Écoutez, là... C'est bonne, celle-là. Ben là... Là, c'est toujours une autre conférence. Merci beaucoup, Lynn. Oui, je vais laisser les autres. Bonsoir tout le monde. Merci, M. Soubé, pour la conférence. Donc, je ne reviendrai pas sur le guide du routard galactique. Mais, c'est 42, la réponse. 42. OK. Ah ben, merci. je vais revenir. On a parlé de bonheur, de bouddhisme, etc. Donc là, moi, plutôt que de faire référence à des philosophes, je vais faire référence à des psychologues. Et j'ai un livre ici, c'est « Le piège du bonheur ». Voilà. Oui. Ross Harris, qui parle de ce qu'on appelle l'acte ACT, c'est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Bon, bref, c'est une troisième vague dans les approches cognitivo-comportementales. Mais moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'au-delà d'une approche thérapeutique, ça peut être aussi une façon d'être, une façon de vivre. Qui rejoindrait des formes de spiritualité, de bouddhisme, mais sans l'aspect croyance au surnaturel. Oui. Par exemple, on va parler de la souplesse psychologique. Le piège du bonheur, puisque nous avons parlé de bonheur. Le piège du bonheur, je le prends en note. OK. J'essaie de centrer avec la caméra. Apparemment, je suis pas très bien. Ah, c'est bien. Un bon livre que j'ai lu. OK. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Ça me fait plaisir.
Donc, d'abord, donc il y aurait deux points, ce qu'il dit sur le bonheur, je résume, et après l'approche ACT. Donc, le piège du bonheur, c'est une certaine conception du bonheur qui, en la suivant, nous amène à nous éloigner de plus en plus du bonheur. Donc, il y a une sorte de paradoxe. Il y avait quatre points. Il y avait la définition implicite du bonheur selon laquelle le bonheur serait l'absence de pensées négatives et d'émotions négatives. Deuxièmement, l'idée implicite selon laquelle le bonheur ainsi défini serait l'état normal dans lequel toute personne se trouve. Troisième idée, qui est celle selon laquelle nous pouvons contrôler nos pensées et nos émotions. Et quatrièmement, conclusion, j'ai des pensées négatives, j'ai des émotions négatives, je n'arrive pas à m'en débarrasser, donc j'ai un problème, quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi. Et puis là, quand on entretient ces croyances-là, on s'enfonce de plus en plus et à chercher le bonheur, on s'en éloigne de plus en plus paradoxalement. Et là, je vais faire le lien maintenant avec l'acte ou cette approche thérapeutique, mais qui peut être reprise comme une façon d'être, un mode de vie, finalement, est basée sur l'idée que le but de la vie n'est pas de se sentir bien, ce ne serait pas le bonheur, mais ce serait de vivre une vie qui est riche et pleine de sens. Et par pleine de sens, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est de travailler à être la personne que nous voulons être, vivre en conformité avec nos valeurs et avoir la vie que l'on veut avoir. Oui. Donc, l'acte va tourner autour de, ben, va nous ramener à la notion de souplesse psychologique qui tourne autour de 6 pôles. Donc, il y a d'abord la distinction entre le moi observateur et le moi pensant. Le moi observateur, c'est comme le moi conscient qui, justement, prend conscience autant de ce qui se passe dans l'environnement extérieur qu'intérieur. Oui. Le moi pensant, c'est celui qui génère continuellement des pensées et sur lequel on a très peu de contrôle. Oui. Excusez-moi, je ne vous ai pas compris. Qui rumine, entre autres choses, et qu'il compare à une radio qui diffuserait continuellement des émissions en arrière-plan et qu'on ne peut pas éteindre. Ensuite, il va parler de la diffusion et de l'acceptation. La diffusion, c'est de justement se décrocher des pensées et de les voir comme étant simplement des pensées, elles ne sont pas nécessairement vraies. Et dans une approche psychothérapeutique, on va penser à des pensées négatives du genre « je suis pas capable, je suis pas bon, les gens vont me détester ». Ben, c'est-à-dire, ces pensées-là, j'ai pas le contrôle, elles sont dans mon esprit, elles sont générées par mon esprit, mais ce ne sont que des pensées, ce n'est pas nécessairement la vérité. Exactement. Et donc là, on va faire un peu le lien avec le bouddhisme où il propose à ce moment-là, avec cette diffusion de nos pensées, de simplement observer nos pensées par le moi observateur, mais sans s'y accrocher et sans les suivre. Puis là, il donne la métaphore de quelqu'un qui regarderait la circulation automobile. Il voit les voitures circuler, mais ne porte son attention sur aucune voiture en particulier. Il ne va pas suivre aucune voiture en particulier. Et l'aspect acceptation, c'est par rapport aux émotions négatives qui vont être là, hors de notre contrôle, bien, c'est simplement d'apprendre à les tolérer, d'apprendre à vivre avec et d'avancer malgré qu'on éprouve de la tristesse, de la peur, de la colère. C'est désagréable. On ne veut pas éprouver ces émotions-là, mais elles sont là et on n'a pas le contrôle. Enfin, la plupart du temps, on n'a pas le contrôle. Donc, simplement apprendre à les tolérer et à vivre malgré les émotions. Ces quatre premiers aspects, le moi observateur, le moi pensant, excusez-moi. Le quatrième aspect, c'est de se concentrer sur l'instant présent. Oui. Il y a des gens qui parlaient de méditation tout à l'heure. C'est aussi le but de la méditation. On peut dire observer. Observer. Bon, voilà. Donc, le moi observateur qui observe, qui est dans l'instant présent, ça fait 2. 3, la diffusion avec les pensées. 4, l'acceptation des émotions. Ces 4 éléments-là, ensemble, il appelle ça la pleine conscience. C'est ce qu'il relie au bouddhisme, mais sans des aspects de croyances religieuses, etc. Oui. Et sans avoir d'uniforme, sans avoir de signe distinctif, sans faire partie d'un club. C'est ça, et tout à fait, exactement. Et pour compléter donc les 2 autres aspects, il y a 5e aspect, le système de valeurs. Bien là, il faut faire un travail de réflexion. Quel genre de personne est-ce que je veux être? Quel genre de vie est-ce que je veux mener? Et le 6e aspect, c'est l'action engagée. Donc, on agit pour atteindre des objectifs qui concordent à nos valeurs, qui nous amènent à devenir la personne qu'on veut être. Est-ce que nous avons perdu notre conférencier? Non, il est toujours là, Michel. OK. Vous avez bougé sur mon écran. OK, je vous ai retrouvé. Donc, agir de manière engagée pour
être, devenir ou être la personne que l'on veut être, construire la vie que l'on veut avoir, mais sans lâcher. Ça fonctionne pas, on recommence. On échoue, on reprend d'une manière engagée. Et oui. C'est cet élément-là, c'est ça. Donc, c'est ce qu'il nomme la souplesse psychologique. Et puis, voilà. Donc, bref, je conclue que cette approche, moi, m'inspire énormément. Oui. Et moi aussi, bon, j'ai déjà été croyant et j'ai toujours été intéressé à chercher quelque chose qui transcende, un autre mot peut-être à proscrire. Maintenant, ma quête de la transcendance ou du sacré se fait dans un contexte scientifique, donc oui. Chercher à connaître ce qui est plus grand que nous, la vie, l'histoire de la vie sur Terre, l'évolution, l'univers, tout ça, sans tomber dans ce cas. De plénitude, Daniel. Oui, oui. Donc, se dépasser, aller vers ce qui est plus grand, ce qui nous dépasse, mais sans nécessairement tomber dans la fantaisie ou le délire, sans tomber dans les croyances. Oui. Et je trouve que cette approche psychologique est ce qui me convient le plus. Je trouve que c'est un excellent substitut à des approches plus philosophiques ou plus religieuses, parce qu'on va chercher des éléments qui peuvent être vraiment significatifs sans s'empêtrer avec des questions plus douteuses, philosophique, métaphysique ou religieux. J'aimerais revenir, Daniel, à ce que Lynn Jubainville a dit. C'est pas accessible à tout le monde. Lynn, est-ce qu'on peut faire intervenir Lynn? Tu disais que c'était pas accessible à tout le monde d'avoir cette réaction-là. D'avoir cette réflexion-là. Non, j'ai pas dit ça. T'as pas dit que c'était pas accessible à tout le monde d'avoir la réflexion? Non, pas, je veux surtout pas de pas réfléchir. Non, mais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas cette capacité d'avoir la réflexion. Mais ce que j'ai dit, OK, c'est parce qu'il y a eu une intervention qui parlait de problèmes, tu sais, de personnes qui sont dans la négative, etc., Oui. Puis moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des gens qui font face à des problèmes de santé mentale. Oui. Alors, ces personnes-là, je pense, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas docteur, je pense que ces personnes-là ont probablement plus de difficultés à justement pratiquer ou utiliser ces techniques-là, pour un peu pour se dissocier de ces pensées. C'est tout ce que j'ai dit, puis écoutez, là, ça n'engage que moi. Non, mais je pense que c'est intéressant. Daniel, est-ce que tu voulais... Oui. Si je peux me permettre. Donc, oui, c'est ça. Justement, oui, s'il te plaît. OK. Donc, c'est ça. Donc, l'ACT, ACT, thérapie de... Ben, en fait, ACT, ça vient de l'anglais. C'est Acceptance and Commitment Therapy, donc traduit par thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Oui. C'est donc dans les approches cognitivo-comportementales en intervention psychologique. C'est au départ, justement, une approche pour aider des gens qui ont des problèmes de santé mentale, en particulier anxiété et dépression. L'auteur Ross Harris va même jusqu'à affirmer que ça serait bénéfique pour des gens qui souffrent de schizophrénie. Donc, on parle d'une autre catégorie de troubles. Ouais. Moi, je rapporte ce qu'il dit. J'ai pas fait les vérifications, là, mais c'est quand même un scientifique. Mais c'est simplement pour mentionner que, au départ, c'est une approche psychothérapeutique qui vise à aider des gens qui ont des difficultés, notamment l'anxiété et la dépression, à vivre avec. Mais je pense que c'est fait dans un contexte de traitement. Alors, je vais consulter un médecin, un psychologue, un psychiatre, une personne compétente dans ce domaine-là, puis cette personne-là va m'accompagner, va m'aider. OK? Là, on est ailleurs. Oui. Et, je pense, en tout cas, qu'on est ailleurs. Ceci étant dit, quand même, je suis pas docteur, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, quoi que ce soit, mais je fais beaucoup d'intervention. Je suis une déléguée sociale chez Hydro-Québec où est-ce que je travaille. On est formé, etc., pour faire de l'écoute, etc. Puis, je dirais qu'actuellement, il y a un gros, gros besoin pour les personnes à parler, puis tout oui. ça. Après ça, on les dirige, mais ces gens-là, souvent, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils sont juste pas bien. Oui. Ils ont comme une boule, ils sont oui. pas bien, et ils ne fonctionnent pas, ils ne se sentent pas productifs, pas compétents, pas ci, pas ça. Puis là, après ça,
ils font déjà un geste intéressant là, de demander de l'aide. Puis après ça, nous, on les dirige vers des personnes compétentes, des ressources qui vont les aider. Mais moi, je pense que une personne... Tu sais, moi, je pense que je suis correcte. Je suis... j'ai pas de maladie mentale. Je pense pas, en tout cas. Moi, je pense qu'on devrait avoir des conférences comme celle-là plus qu'une fois par mois. Michel Virard, beaucoup de travail. Moi, je propose que vous le fassiez au moins deux fois par mois. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Oui, ça fait partie de la thérapie gratuite qu'on fournit à nos membres. Daniel, une dernière question. ATT encore, c'est acceptance. Et C, c'est pourquoi encore? Commitment. Commitment, OK, je m'engage. L'engagement. Et T pour thérapie. Oui, c'est ça. Donc, thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Merci. Puis, je voulais juste rajouter qu'on n'a pas évolué. Oui, vas-y, Lynn. C'est 1 à 1 pour les Canadiens en ce moment. Oh! Ah, c'est 1 à 1 pour les Canadiens. Contre les Canadiens. Bon, on y va avec quelqu'un d'autre, Michel? Oui, il reste 2 personnes. Il y a Michel Pion qui est dû. Bonjour. Bonsoir, Michel. Bonsoir, plutôt, oui. Merci beaucoup pour la petite conférence, c'était très intéressant. Moi, je vais juste renchérir sur Lynn. Moi, je suis persuadé qu'on n'a pas d'âme, mais qu'on a seulement un cerveau. Oui. Je pense que les connaissances vraiment pointent vers ça. Oui. Bon, pour ce qui est de l'âme, bon, je vais attendre d'avoir la preuve du contraire, mais je ne retiendrai pas mon souffle en attendant. Mais je pense que vous êtes d'accord avec ça, parce que j'ai cru comprendre. Oui, je suis d'accord avec ça, mais on peut le mot âme quand même. Bon. Ouais. Oui, on peut l'utiliser. Ensuite, peut-être 2 choses. La première, vous avez parlé de spiritualité. Moi, je suis convaincu, puis je présume que vous êtes d'accord avec moi, que on n'a pas besoin de croire à une religion pour avoir une spiritualité. Exactement. Moi, j'ai eu des expériences spirituelles. J'en ai eu au Louvre, j'en ai eu à Saint-Pierre de Rome devant la Pietà de Michel-Ange, pas pour le sens religieux, mais pour la pure beauté de la chose. D'être là et de dire « bon sang, c'est moi qui est là, là. ». Tu sais, c'est pas une image, je suis là. Et la beauté de la chose, en tout cas. Je suis tout à fait, je ne peux pas être plus d'accord avec vous. Et je pense que Michel Virard a écrit un article à ce sujet sur la spiritualité. Oui. Michel. Oui, oui, mais il y a longtemps de ça, oui, sur la spiritualité athée. Ça a été publié dans les... comment ça s'appelle? Les chroniques, les études... C'est quoi les cahiers de... Oui, les cahiers de spiritualité ignatienne. Donc, dans un journal catholique. Yeah! Bon, il me l'avait demandé. Vous aviez une question, Michel? Alors... Oui, en fait, j'avais un deuxième point. Vous avez mentionné, je pense qu'à plus qu'une reprise, qu'on a évolué de deux façons. La première, c'est de répliquer nos gènes, et la seconde, de déceler les menaces. Exactement. Moi, j'en vois une troisième, puis j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Oui. Moi, je pense que je pense aussi qu'on a évolué à vivre en société. Oui, absolument. Je pense que quand on parle d'altruisme réciproque, je veux dire, les gens qui vivent en société ont tendance à vivre, à avoir une meilleure qualité de vie. Et bon, pour la reproduction, je ne suis pas sûr, mais je sais pas s'il y a des statistiques là-dessus. Mais je pense que le fait que la majorité des êtres humains vivent en société, je pense que ça vient d'un effort évolutionniste. À un moment donné, les humains ont eu un avantage à niveau de la société. Ceux qui vivaient en société vivaient généralement, je présume, plus vieux et se sont reproduits davantage. Et de là l'évolution. Pas les humains, Michel, donc, qui vivent en groupe aussi. Ouais. Les loups chassent en groupe. Ah ouais. Les chimpanzés vivent en communauté et ils datent d'environ 75 millions d'années. Donc, je pense qu'il y a eu des questions évolutives. Justement sur la capacité à être ensemble. Si je peux me permettre d'ajouter un exemple, c'est l'exemple des couleurs. Moi, ce que je ne vous ai pas dit, je suis un spécialiste de la vision. Donc, je suis un neurophysiologiste, oui, mais visuel. Et je vais vous le dire très rapidement, si c'est correct, 2 minutes.
on a évolué, nous, pour avoir trois types de cônes. Des cônes verts, des cônes bleus, mais des cônes rouges qu'on ne retrouve que chez certains primates et chez nous. Et savez-vous, il y a quelqu'un qui s'appelle Mark Changizi qui dit dans son livre « The Vision Revolution » qui dit que ça nous a donné la capacité d'avoir de la compassion les uns pour les autres. Parce que la teinte rouge dans la peau, donc ce sont bois chez des animaux qui ont la peau du visage exposée, nous donne une indication sur la santé, l'état de santé et l'état émotif de la personne. Et ça, ça nous permet de vivre ensemble. Donc, l'évolution des cônes rouges aurait été permissive à vivre en groupe. Donc, c'est un exemple d'évolution, comme vous le dites, qui permet de vivre en groupe. On a cette opportunité de savoir comment l'autre se ressent, parce qu'on voit le rouge. Je pense que j'ai lu dans quelque part qu'il y a eu trois évolutions différentes de l'œil. Oui, c'est possible. Parce que certains animaux peuvent voir certaines fréquences que nous, on ne peut pas voir. Absolument, les rats, les rongeurs voient des ultraviolets, ouais. Les serpents voient les infrarouges. Donc, il ne faut jamais se penser supérieur. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, il me reste une dernière question, une seconde question de M. Pierre Potvin. Oui, on a le droit à un second tour. Ben, quand tout le monde a eu son premier tour, okay. On a le droit à un c'est, second c'est bon. Tour. Je trouvais ça long. C'est très, très... Écoutez, c'est très intéressant. Moi, j'ai assisté à plusieurs conférences qui étaient toutes intéressantes. Et probablement que le thème, là, il va nous chercher, à moi, il va me chercher au trip. Parce qu'il y a des non-croyants, puis il y a des croyants, enfin... j'imagine que les croyants ne sont pas exclus du regroupement. Là. Ce que je voulais dire, peut-être une petite précision, le livre là, sur le piège du bonheur, c'est un livre grand public. Hein? Je veux dire, c'est pas... parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont très pratiques là, qui sont présentés dans ce livre-là. Monsieur Sauvé, j'ai beaucoup apprécié l'aspect pratique quand vous avez dit être groundé. Tu sais, oui. Toute la question du problème des pensées et puis la rumination. Et c'est pour ça, entre autres, que quand on fait de la méditation de la pleine conscience, qu'on est centré soit sur notre corps, soit sur la respiration. Dans le fond, c'est... Pour, de ce que je comprends, c'est pour occuper le cerveau sur quelque chose parce que c'est pas possible, à ma connaissance, que le cerveau ne soit pas occupé. Alors, il faut l'occuper à quelque chose. Il rumine constamment. Oui, il rumine constamment. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte sur des sens, sur un geste qui est tout à fait automatique. On appelle ça en anglais les « central pattern generator ». Oui. C'est des générateurs de motifs qui sont centraux et qui sont responsables de la respiration, qui est un acte rythmique. Ah. Et en se connectant là-dessus, là, on se grounde parce que ça, c'est stable. Et on peut sentir l'air qui passe par nos narines, par exemple, ou simplement le gonflement de nos poumons. C'est un exemple. S'il y a des gens qui arrivent à le faire avec le battement de cœur, qui sentent leur cœur, OK, il y a plusieurs façons, il n'y a pas juste un chemin, mais on essaie de se grounder, on essaie de reconnaître les pensées pour ce qu'elles sont. Elles ne sont que des pensées. Oui. Des fois, le son est coupé. Là. Ça, on a perdu. Oui, il y a des petits bouts qu'on perd. Oui. Moi, j'écris sur le vieillissement. Okay, sur un regard sur le vieillissement et la société en changement. Et j'ai un groupe de co-développement, c'est des personnes retraitées. Et donc, on fait des échanges sur différents thèmes. La question du sens de la vie, là, et pas la vie des sens, le sens de la vie, je reviens un petit peu par rapport à ça. De ce que j'ai pu faire dans la littérature, voir dans la littérature, c'est quelque chose d'essentiel au bien-être. Oui. Et c'est quelque chose qui est personnel. On oui. donne un sens. Et ce que j'ai observé chez les personnes retraitées,
il y a beaucoup de sens à la vie qui est donné en se sentant utile aux autres. Hein, ça oui. fait partie de notre humanité, là, oui. l'utilité aux autres. Et un oui. des problèmes du sens de la vie, c'est lorsqu'arrive le vieillissement et la perte, entre guillemets, d'utilité. Oui. Je suis plus utile pour mes petits-enfants ou je suis plus utile pour... Alors, c'est juste quelque chose que je voulais préciser sur le sens de la vie. Peut-être juste terminer que j'ai été... comment je dirais donc? Pour commencer, j'adore apprendre. Et puis, quand vous avez parlé... La curiosité, oui. c'est une autre oui. corrélation avec le bonheur. Oui, exactement. Il se dénonce comme étant... heureux, on a fait ouais. des études en Californie, le facteur commun, c'était la curiosité. La curiosité. Ce que, entre autres, votre intervention que j'ai trouvée très intéressante, vous êtes spécialiste au niveau des yeux, c'est quand vous avez parlé des cônes et puis de la couleur rouge. Oui. Là, vraiment, là, j'ai appris, j'ai quasiment tombé en bas de ma chaise. Non, c'est vraiment... Ça, je vais le retenir longtemps. Ça, non, mais c'est Michel Pion qui a dit qu'il y avait un autre facteur. Il y a la reproduction, c'est le passage de l'ADN. Il y a le détecteur de menaces et il y a l'adhésion à un groupe. Oui. Donc, il amenait ce troisième facteur-là qui était responsable de l'évolution aussi, qui a dicté la façon dont on évoluait. Donc, j'apprécie beaucoup votre intervention, Michel Pion. Oui. OK. Merci. Alors, c'était ça mon... Merci. Mon... Ah, j'ai une deuxième question de Michel Thiénot. Oh, François Dugas. Pardon, j'étais un peu vite. François? D'accord. Rebonjour. Encore une fois, très intéressant. Oui. Encore une fois, très intéressant. Moi, je travaille dans la vision aussi, puis avec des patients, puis je trouve que souvent, les gens réalisent des choses quand... Une fois qu'ils ont eu une intervention aux yeux, ils réalisent des choses par la suite sur leur vision qu'ils avaient déjà auparavant, parce que c'est des choses qu'on connaît de la vision, oui. mais qu'ils n'avaient juste jamais remarquées, parce que là, maintenant, ils portent attention à leurs yeux, puis ils vont me demander des choses comme « Est-ce que c'est normal? » Il me semble depuis telle intervention, je vois un peu comme... Je vois plus mon nez, ou quand je fixe, là, je vois que c'est net seulement, exactement là où je fixe, mais pas à côté, il faut vraiment que je déplace mes yeux. Toutes des choses qu'on connaît déjà de notre vision, où je mets mon doigt, il est net, mais vous êtes flou et double, etc. Oui. Puis là, je oui. peux les aider encore plus à voir comment c'est déjà comme ça, puis fascinant en leur montrant la tâche aveugle. Fait qu'en tout cas, moi aussi, je suis d'accord avec vous qu'on c'est très intéressant la vision, puis ça peut permettre de comprendre que des fois, on a des choses directement devant nos yeux, littéralement, qu'on ne peut pas voir si on ne porte pas attention. Oui. Et de là, toute la boucle avec la méditation, la pleine conscience. Puis peut-être juste finalement, à propos des pensées, vous l'avez dit juste au bon moment, quand j'ai levé la main. Je vais faire une déclaration. Comment? Je vais faire une déclaration. Je vais déclarer quelque chose. Oui. D'accord? On est aveugle 4,5 heures, 4 heures et demie par jour. Oui. Ah oui? Oui. Ah. On est aveugle 4h30 par jour. Allez, ça cadre ou je vous explique. À chaque fois qu'on regarde une scène, on fait des saccades. Des saccades, c'est des mouvements des yeux pendant lesquels on est aveugle, on ne voit pas. Donc, on complète ça. Mais à chaque fois que vous regardez autour de vous, vous faites des saccades et vous regardez un visage, vous faites des micro-saccades. Et pendant ces micro-saccades-là, vous êtes aveugle. Si on compte le temps passé à faire des saccades, ça vous donne 4h30, le temps éveillé. On est aveugle. Je le dis dans mon livre, c'est très bon pour un cocktail party quand on ne sait pas comment briser la glace. Peut-être juste pour terminer mon commentaire, c'était, j'ai levé la main au moment où vous parliez de la méditation, des rythmes, de la respiration, qu'on peut même utiliser le battement de cœur. Mais j'ajouterais qu'on peut utiliser l'observation des pensées elles-mêmes. C'est pas juste, c'est pas que des ruminations ou que négatifs, les pensées, comme on a déjà dit. Mais juste, puisqu'elles viennent tout le temps de toute manière, juste oui. S'y intéresser. Puis finalement, après ça, l'étape d'après, de ne pas nécessairement les croire, est beaucoup plus facile quand on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait le contrôle dessus puis qu'elles ne sont pas toujours vraies pantoute. C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile à faire de porter attention sur les pensées elles-mêmes parce que ça, c'est le vertige. Hein? Ça tourne. Ouais. Ouais.
On a Michel Thénault, je pense. Thénault. Oui, ben c'était juste une réaction à la phrase suivante. Ce n'est pas possible que le cerveau ne soit pas occupé. Mais pendant le sommeil, je sais qu'il y a différentes phases de sommeil. Il y a des moments où on rêve. Alors, on peut dire s'il y a rêve, que le cerveau est occupé. Mais il y a des périodes où on ne rêve pas non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je le cerveau, pose naïvement la question. Oui, le cerveau est en mode de... Il rumine constamment. Il n'arrête pas. Il est un peu plus actif quand on est en sommeil que quand on est éveillé. Bon, on pourrait croire le contraire. On pourrait croire le contraire, mais il est beaucoup plus actif quand on dort. Il est très, 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 très actif. Il y a des consolidations de synapses qui se font. Il y a beaucoup de plasticité neuronale. On meurt si on ne dort pas. On va mourir. C'est impossible de survivre sans dormir. Et il y a un moment donné, c'est une forme de torture, l'insomnie. Ça consolide la mémoire, ça consolide beaucoup. C'est extrêmement actif, le cerveau, quand on dort. Extrêmement actif. Bon, une chose de plus que je viens d'apprendre. Merci. Merveilleuse conférence, capacité de simplifier le message extraordinaire. Je reprendrai une conférence de vous à toutes les semaines. Alors, merci à M. à l'organisation de vous avoir mis en contact. J'aimerais me coucher heureux avec le sentiment d'avoir servi à quelque chose. Oui, soyez-en convaincus en ce qui me concerne, en tout cas, avec les témoignages, les échanges. Est-ce qu'on peut savoir votre nom, s'il vous plaît? Oui, Muriel Drolet. C'est parce que moi, j'ai été très touchée par l'importance que vous avez donnée à la compassion, autant dans les échanges avec les participants que ce que vous avez apporté. Et quand je constate la grande pauvreté dans le monde, comment expliquez-vous dans le phénomène humain, quel sens donnez-vous, comment la quête de l'homme intelligent et riche à vouloir recréer technologiquement le pouvoir humain? L'intelligence artificielle, et là j'entends qu'on est même en train d'essayer à MIT d'inclure des sentiments ou d'un fonctionnement émotif dans les robots, toute l'énergie et l'argent consacrés à recréer ce qui est autour de nous, dans lequel on pourrait investir par la compassion. Je trouve ça triste. Je trouve ça très triste. L'argent à investir, on pourrait l'investir dans la science de base pour comprendre encore plus comment fonctionnent les modèles mentaux dont j'ai parlé, comment le cerveau fonctionne, plutôt que de créer des intelligents. Ça, je suis d'accord. Mais on a un ingénieur ici qui est notre hôte et qui pourrait peut-être vouloir dire quelque chose là-dessus parce que lui, si vous recevez des courriels de lui, c'est marqué à la fin, c'est une citation d'Isaac Asimov. Michel Virard, est-ce que vous pourriez nous la citer, s'il vous plaît? Ah, oui, je peux bien vous la citer. C'est une citation sur la science et l'ingénierie. Et pour une fois, c'est au profit de l'ingénierie et non pas de la science. Alors, comment ça se dit? C'est dans mon courriel habituel que je ne trouve pas. Oui, voilà. Alors, Michel Virard. Bon, je ne l'ai pas ici. De mémoire, Isaac Asimov disait que la science, c'est bien fascinant, mais c'est l'ingénierie qui change le monde. Ah. Donc, Muriel, ici, on peut parler d'ingénierie. On peut parler d'ingénierie, ça change le monde. Mais je n'ai pas de réponse à votre question. Je trouve ça triste qu'on dépense de l'argent pour faire ça, mais en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que ça veut dire que c'est de l'argent qui n'est pas utilisé pour d'autres choses? Je ne sais pas. C'est frustrant quand j'ai dit 99% des gens qui travaillent à temps plein, qui arrivent même pas et qui n'ont pas de temps de réfléchir. Puis je pense que c'est Lynn ou quelqu'un d'autre qui disait qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le temps de s'arrêter à penser. Mais même dans les gens qui ont les moyens, c'est-à-dire des gens qui gagnent des salaires plus que confortables, en fait, on ne les verra pas dans nos conférences, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Il y a une période dans la vie. Jusqu'à 20-25 ans, vous êtes encore trop jeune pour vous poser des grandes questions.
Vous les posez, mais vous n'avez pas le bagage encore pour en faire un bon usage. Entre 25 et 45 ans, 25-50 ans, vous êtes tellement occupé à faire votre carrière, à faire votre famille, à élever des enfants, que vous n'avez toujours pas le temps de faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que nous, on se retrouve dans les associations comme la nôtre, avec des gens qui ont en fait très souvent plus de 50 ans, plus de 60 ans, et qui souvent sont retraités. Et les retraités, soyons honnêtes, ce sont ceux qui ont à la fois l'argent et le temps pour s'occuper de ces questions-là. Alors je pense que justement, c'est pour ça qu'on fait quelque chose. Il y a une exception qui confirme la règle, c'est Jacques Vincent qui a assisté, je ne sais pas s'il est toujours là. On est rendu à 30 participants, mais Jacques Vincent a 23 ans, étudié en génie mécanique et fait sa maîtrise, et il voulait absolument assister à la conférence. C'est sûr, nous avons toujours des exceptions, c'est évident. Mais quand je parle que 80% de nos membres ont au-dessus de 50 ans, ce n'est pas un mystère. J'ai toujours dans mon conseil d'administration, des gens, il faut faire quelque chose pour attirer les jeunes, etc. On a essayé, bien sûr. Mais le fait est que si vous voulez attirer des étudiants, les étudiants, vous allez les attirer un an, deux ans, mais ils vont partir de l'université, vous allez les perdre. Donc, tous les groupes d'humanistes qu'on a créés dans les universités, ils sont des groupes très, très temporaires. À moins qu'un professeur s'en occupe et s'arrange pour que ça passe d'une année à l'autre, ce sont des groupes qui disparaissent assez rapidement. Et après ça, entre 25 et 40 ans, oubliez-les, ils ont tellement d'autres choses à faire. Je vois bien, moi j'avais mes enfants il n'y a pas si longtemps, ils étaient dans cette période-là. Bon, papa, il s'occupe des humanistes, c'est bien gentil, mais nous, on a autre chose à faire. Bon, il y a Jacques Légaré qui vient d'envoyer un chat que la philosophie est l'automne de la vie. Oui, c'est normal. Il y a le fait aussi, il y a l'acquis. Tout ce qu'on a, ce que la vie nous a donné comme expérience, c'est une matière qui est quand même très utilisable à partir d'un certain moment. Mais quand j'avais 25 ans, je ne pouvais pas donner mon avis sur grand-chose, soyons honnêtes. Même si j'avais lu beaucoup, même si j'avais lu des philosophes, j'avais fait mon travail d'étudiant. Mais ce n'était pas suffisant, je n'avais pas l'expérience de la vie, je n'avais pas l'expérience d'avoir fondé une famille, par exemple. C'est quelque chose tellement important dans une vie. Donc, c'est des choses qui vont faire que nécessairement les réflexions philosophiques, comme celles que nous avons parfois ici, très souvent en fait, c'est quelque chose qui va intéresser des gens qui ont un vécu, c'est-à-dire des gens qui ont déjà un certain âge. Je trouve ça normal, moi, c'est Pierre Potvin qui intervient, dans le sens que toute notre vie, on a été actifs, on a été producteurs et arrive un état de vieillissement où on a besoin d'avoir un regard analytique, évaluer ce qu'on a fait, prendre, puis on a le temps en plus de le faire. Mais moi, je trouve que ça fait partie de l'âge, là, du vieillissement. Mais ça fait partie du plaisir de la vieillesse, on n'a pas tant de ça. Faut prendre de ce qui passe. Le corps est de la misère, mais on est capable de réfléchir. Voilà. À propos, alors nous aurons... je n'ai pas de conférencier pour le mois prochain actuellement, ça peut changer, mais on a un ciné-club. Alors le ciné-club, ça va être sur la propagande nazie dans la France occupée entre 1940 et 1945. C'est un film de Claude Chabrol qui s'appelle « L'œil de Vichy ». Alors, je vous préviens, parce que je le mettrai dans les invitations, c'est évidemment pas à prendre au premier degré. On ne fait pas de la propagande nazie. Donc, il faut savoir que c'est pour dénoncer la propagande nazie. Il faudra que j'explique ça en long et en large, parce qu'il y en a qui sont capables de le prendre au premier niveau. Je voulais juste vous dire que vous avez un membre de plus. Là. Je vais me joindre à votre organisation. Ah, ben merci. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. On va dire... Je ne sais pas s'il y en a qui ont Canal+, mais peut-être, Michel, que tu as déjà vu ça. Ils ont un documentaire en trois parties sur le procès de Pétain. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas vu encore. Après la guerre. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est que
quand ils ont pris les films, il n'y avait pas de son. Mais ils ont pris les transcriptions. Les transcriptions du procès. Et ils ont ajouté des voix quand on voit les gens parler. C'était très intéressant, en tout cas. C'est une belle partie d'histoire de la France. En tout cas, s'il y en a qui ont la chance de voir ça, mais je suis sûr que le documentaire est intéressant. Oui, aussi. Non, mais écoutez, c'est bon, c'est des choses désagréables. Il faut s'y être occupé. Ce n'est plus son intelligence propre qui est aux commandes. Et donc, il se passe toutes sortes de phénomènes qui sont parfois terribles et qu'il faut savoir reconnaître. Il faut connaître. Il faut aussi savoir que les gens qui ont suivi les Allemands en France ont été en fait les victimes d'une propagande éhontée absolument abominable. Alors, donc ça c'est pour le film, ça sera le premier jeudi de juin, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'est, mais ce sera le... Vous recevrez l'invitation, bien sûr, si vous êtes toujours sur notre liste d'envoi. Notre ami Pierre Cloutier, qui est en principe qui est caché derrière sa photo, je ne sais pas s'il est là, mais va vous enverra une invitation à ce moment-là. J'ai aussi un conférencier de prévu pour la rentrée, c'est-à-dire la rentrée se fera en mode hybride et la première conférence aura lieu en octobre, le troisième jeudi d'octobre, et ce sera par M. Marcel Sylvestre, qui écrit beaucoup de livres. C'est un professeur d'histoire ou de philosophie, ou des deux. Il y a une conférence de lui déjà qui est déjà sur notre canal YouTube. Ouais. Il est déjà venu. Il y a qui sont intéressés. Et soit dit en passant, je n'ai pas reçu aucune objection à mettre la période de questions en ligne. Donc, à moins que quelqu'un se manifeste sur le tard, prenez pour acquis que ça sera fait. Merci. Bien. Eh bien, je vous remercie tous et particulièrement M. Sauvé. Vous avez été un conférencier extrêmement apprécié. Et donc, on espère vous voir bientôt. Le sentiment est réciproque, Michel. C'est réciproque. J'ai beaucoup apprécié l'opportunité que vous m'avez offerte et je voudrais remercier tous les humanistes de leur écoute attentive et surtout de la période de questions. Je ne m'attendais pas à autant de questions et ça me nourrit beaucoup. Ça me nourrit énormément. Ça me rend heureux. Alors, je vous signale que moi, j'ai acheté le livre d'Yves. Et je n'ai pas tout lu encore, quand même. Mais et ça s'appelle... Je ne bouge pas non, parce qu'on ne peut pas lire. OK. Comment est-ce que je vais faire? Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. 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 Sentir le sens de la vie. OK. Est-ce qu'il est disponible pour une lisière? Malheureusement pas. Juste en anglais. Feeling the meaning of life. Donc, il est disponible en anglais. OK. Feeling the meaning of life sur Kudos. Êtes-vous content de la traduction? C'est moi qui l'ai fait, la traduction. Et j'en suis particulièrement content. J'aime mieux le livre en français qu'en anglais. Parce que j'ai pu mûrir un peu toutes mes réflexions et rajouter et peaufiner un peu. Et j'ai mis un peu plus d'amour dans celui en français. Merci. Est-ce qu'il est disponible sur Amazon? Malheureusement que sur Amazon. Ah. Et le lien a été partagé, je pense, par Michel Virard dans les courriels ou même sur le site. OK. Michel, ça se pourrait, oui. Vous l'avez partagé. Je ne sais plus si je l'ai fait, mais ça se peut, oui. Oui, je pense que oui. Oui. Donc, si vous regardez l'annonce sur le calendrier, vous devriez avoir le lien. OK. Et parfait. Merci beaucoup. Merci. Pour l'excellente conférence. Merci à tous et au plaisir. Merci. Bonne soirée. Merci.